Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmil, ou comme je m'appelle aussi, je ne sais plus, c'est... Je n'en ai plus la moindre idée, c'est pas grave, donc ouais j'ai un cheval. J'ai enfin un cheval, comment que je m'appelle déjà? Ah oui, Randru, c'est vrai. Putain mais pourquoi j'ai pris ce nom? Bon, Maurice, tu cours. Nous on doit aller je sais plus où. On doit aller chercher le beignot magique des autres là. C'est par là au moins. Ouais, j'ai préparé quelque chose parce que il fait un peu un temps de merde. Et bon, j'ai beau être une cagite, j'ai beau vouloir le pognon, le désert d'Elsewhere, il manque. Donc, d'ici quelques épisodes, on retournera au désert, on retournera dans notre cher désert. Donc, je vous préparerai, il faudra juste que je me note quelques instructions pour le mode parce que le mode est très complexe en fait, dans l'idée. Et là, pour l'instant, je vais juste me paumer avec mon cheval anti-gravité. Et merde. Ah non, les chevaux sont pas immortels, faut que je fasse gaffe à ça. Je l'ai pas mis celui-là. Je viens juste d'acheter un cheval, ce serait con de le perdre maintenant. Si c'est pas la classe de pouvoir faire ça. Je suis presque à 90 degrés. J'adore ce truc. Ah oui, j'avais mis un truc. Ah, ça c'est trop bien ça par contre. Regardez juste derrière le cheval, les traces de pas. J'ai trouvé ce mode-là. C'est vrai que c'est un truc qui manque dans les jeux. C'est les traces de pas. Coucou. Non mais le loup des glaces à la con. Waouh, il a fait tellement mal le con de truc. Ouais, donne un peu plus de vie, on sait jamais. Archerie, ouais, ce sera pas mal, ça a augmenté. Mais on va... Déjà, on va augmenter le une main, parce que je fais aucun dégât. On va augmenter l'archerie. Et on va augmenter... Non, les armures d'Homer, je m'en fous, donc ça, on s'en fout un peu. Et comme on a une armure lourde, mais il faudrait que je me spécialise dans les armures légères, donc ça on va le garder pour plus tard. Les attaques puissantes, hein? Oh, ça c'est intéressant. On verra. Ouais, furtivité. Fufu. Ah non, non sens. Quoique 2 jours ça m'aiderait. 2 jours parce que j'ai pas d'armure encore spéciale, donc ça va m'aider. Donc on va juste prendre l'arc. On va se la jouer fufu mais à l'arc. Hop. On va essayer. Bon, on va quand même tuer les conos parce que c'est des conos tout simplement. Et qu'on a besoin de pognon, mais voilà. Enfin, besoin de pognon, on a combien? Ouais, 1200. Ouais, on a besoin de pognon. Commerce de peau, c'est bien, mais quand même, faut pas déconner. Ah, voilà, je suis presque arrivé. Toi, reste là. Attends-moi là. Ou rentre en bas si tu veux. Ah, mais je suis repéré par l'autre con. Ah oui, non, par mon cheval. Putain, on n'y voit rien du tout. J'ai mis un sort de capture d'âme, mais j'ai pas pris de pierre des âmes sur moi. Ça va être donc très compliqué. Je sais qu'il y a des conos qui m'attendent. Vous l'avez vu, vous aussi. 39 flèches, donc il va falloir que je fasse ultra attention. Viens voir là. Il y a un truc. Et il meurt. Bon, mais on a même vu le pagne en plus. Oui, parce que c'est des pagnes à cette époque-là. Quoi, on les a tous tués avec une flèche? Non, sans déconner.
Je la joue fufu, j'ai prévenu. Je suis pas un elfe, mais je sais viser. Armure en peau, ça vaut 50, ça m'intéresse. Flèche d'acier, flèche de fer, je ne les prendrai pas. Oula. Merde, elle m'a vu. Faudrait qu'elle apprenne à viser par contre. Moi je sais pas, je sais viser à peu près mais... Non, ça a l'air rigolo ça. On va essayer. On va voir si le mode est bien fait. Mets-moi le bâton de combat ici. J'ai mis en favori, on l'essayera. Arc-long crochet, flèche de fer, non, furtus, non. L'armure cloutée, 75 pour 6, oui, je prends. Et oui, j'ai bien mindé mes touches, trop bien. Bon, ben, go. Faudra que je fouille les Ragnar, parce qu'une fois j'ai trouvé une améthyste sur un Ragnar au début de ce donjon, donc c'est toujours intéressant. Oui, parce que je suis déjà venu il y a quelques temps. Oui, bon, si on joue RP, je suis déjà venu la dernière fois. Prends son temps. Et on vise. Non, ton pote ne s'est pas pris une flèche dans le genou. Voilà. Bon, ça c'est toujours intéressant pour l'alchimie, hein, ces cadeaux, c'est que de Ragnar. Bonjour, oui. Ben, c'est cadeau, merci. 14 pour 65, non, pas assez bon ratio. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Armure en fourrure, je prends. Ouais, 10 pour 70, c'est pas mal. On remplacera ça au fur et à mesure, de toute manière. Du Ragnar. Une hache, mais j'en ai déjà une. Attends, oui, où est-ce que je les ai touchés? Lui dans le dos et elle? J'en ai pas la moindre idée. Ma flèche a dû se péter dans sa nuque, je sais pas. L'armure en peau, ouais, on a dit que c'était assez léger, donc on prend. Ah oui, de toute façon, j'ai glandu pour porter des trucs. C'est vrai, j'avais oublié, j'avais encore oublié celui-là. Bon. Faudrait apprendre à fermer les serrures quand même, les mecs. Ouh, elle est belle celle-là. Ouh, l'arc d'orc. L'arc. Là. Oui, la hache d'arme orc, pardon. Elle est magnifique. Elle pèse une tonne, mais elle est belle. Toi là? Ah ouais, non, toi. J'ai pas pris ta queue. Bon, ça c'est fait. On descend. J'aime pas l'étoile d'araignée, ça reste collé dans les poils pendant des jours, c'est trop chiant. Ah bah on va avoir des pierres machin. Ah voilà. En attendant, avec ce jeu, c'est la première fois que je fouille à peu près tout ce qui passe. J'ai jamais fouillé autant d'urnes funéraires que dans ce jeu, sans déconner. Voyons voir. Dommage, j'ai pas pris de donjon alternatif pour celui-là. J'aurais dû prendre un donjon alternatif parce que je le connais un peu par cœur dans l'idée. Donc, la popo. Par certains drops, ils sont assez aléatoires. Au niveau des urnes, c'est tout. On va se lancer doucement et on va le regarder crever comme une merde. Regardez-moi ce con. Regardez-moi ce glandu. Mon dieu, mon dieu. Mais qu'il est con. Mais t'es con. T'es con comme un balai, mon pauvre vieux. Il est con comme un balai. Ouais, une torche, pourquoi pas, ça peut être utile. Même si j'ai le sort d'illumination. Donc nous avons un serpent, une baleine et un serpent. Donc double serpent.
Et on ira machin à l'activer, tiens. Et une baleine. Tiens, machin. Sid. Non. J'ai besoin que tu fais quelque chose pour moi. D'accord. De quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Utilise ça. Au cas où, j'ai pas envie de me prendre une flèche. Ah ben voilà. Bravo. Il est utile, Sid, quand même, finalement. C'est lui qui se prend les flèches. Le coffre. Ouais, du crochet, du pognon, une popo, lire, voleur, comme une page. 2, 3, 4. Ok, on revient. On revient, on revient. Je vous le mettez sur pause, montage, moi, pareil, tout ça, tout ça. Oh, il donne, il veut le pognon. Voilà, merci. Ragnar à la con. Et toi, t'aurais pas pu faire quelque chose, du con. C'est réflexe à l'arc, tu peux pas test. Hop là. Le Ragnar. Non, le Ragnar revient. Non, reviens. Non, reviens. Non, bon, il s'en va. Un parchemin de boule de feu. Ouais, si on a une grosse bestiole, on peut lui foutre une boule de feu dans la gueule. Ah, il y a un connard. Arachnophobe, faites attention, il va se passer un truc. En gros, il y a une araignée qui va arriver. Bon, on fait cramer tout ça. Ça vous va si on fait cramer tout ça? Je vais voir ce qu'il faut ici. Tempête de feu, c'est très bien. Ah merde. Merde, machin. Vous l'avez vu. Le parchemin tempête de feu. Viens voir papa, viens voir papa, viens voir, viens voir. Et viens voir. Voilà. On lui a foutu une tempête de feu dans la gueule. Non. Où est la griffe d'or? T'as pas l'air con là-dedans. Oui, la griffe. Je sais comment elle marche. La griffe, les marques, la porte dans la chambre aux histoires. Ah, tu m'intéresses. Aidez-moi et je vous montrerai. Quand vous verrez toute la puissance que les Nordiques ont cachée ici, vous n'y croirez pas. Donnez-moi d'abord la griffe. Oh, quoique, là, tu me tentes, Maurice. Soit tu me donnes la griffe, soit je te bute. On fait quoi? On va être gentil, donne-moi la griffe. J'ai l'air de pouvoir bouger. Vous devez d'abord me libérer. Aidez-moi à sortir de là. Bon, attends, on va essayer. Attends, on va t'aider. On va t'aider. Connard. Voilà. Voilà, ça c'est réglé. Le problème est réglé. Ouais, faut pas. Tu peux pas tester. La griffe, merci. Le journal d'Avrel. Bon. Le journal de Ducon. Où qu'il est. Journal de Ducon.
Mes doigts tremblent, la griffe d'or est enfin entre mes mains, et avec elle, le pouvoir des grands héros nordiques. Cet imbécile de Lucan Valerius ne s'était jamais douté que son bibelot favori était en fait la clé du tertre de des chutes tourmentées. Il ne reste plus qu'à pénétrer dans la chambre aux histoires et déverrouiller la porte. La légende dit que les Nordiques ont conçu un piège censé repousser ceux qui n'en sont pas dignes, mais aussi que celui qui a la griffe d'or tient la solution dans la paume de sa main. Ouais, ben. Si c'est pas clair, je sais pas ce que c'est. Ah oui. Là, il y en a un. On va déjà viser lui. Un. Ça va, il est déjà mort. Ok, vu. Merde. Deux. C'est qu'on est drôle quand même. Ouais, c'est de la merde ton épée. Non, mais c'est de la merde. Maurice, t'es où? Il est où ce con? Il est où ce con? Ah, mais il m'attend là-bas! Il est débile. Attendez, on va rechercher du con. Il m'attend là-bas. Il m'attend encore là-bas. J'y crois pas. Mais il sert vraiment à rien, si. Quoi, faut qu'il traîne? Ah, si. Il dit bien qu'il y a un truc. Sid, reviens. Espèce d'abruti fini. Je t'ai pas demandé de m'attendre là-bas, je t'ai demandé d'utiliser le levier. Il est con, mais qu'il est con. Oh mais Sid, j'en peux déjà plus de toi. T'es où? C'est par où? Mais qu'est-ce que tu fous là? Si tu me suis. Bon, on descend. Je retourne sur mes pattes donc ça. Ça par contre c'est un défaut, ça je peux pas sauter en courant, c'est trop chiant. Oh, il y a un œuf, il y a quoi dedans? Des œufs, trop bien. Oui, j'avais oublié de fouiller les urnes funéraires qu'il y avait ici. C'est quand même une belle saloperie. Cette araignée a pourri la salle, hein. Pauvre nordique, si vous voyez l'état de leur salle. J'aurai autre chose à te faire tester. On lui fout une porte dans la gueule ou pas? Non, non, on va être gentil. Bon, il va se la prendre tout seul de toute façon. On va passer au-dessus. Nous, on va passer à côté et lui, il va se la bouffer, hein, c'est sûr. Non, il s'est pas bouffé. Putain, c'est un PNJ intelligent. Je t'ai vu. Vas-y. Mais vas-y, exécute-le. Ah, merci. Ouh, l'amulette de Dibella m'intéresse. Oh, l'épée de fer antique, mais elle est moche. Ton épée d'Aedra est plus jolie, mais je te la laisse. Un peu trop fumée pour moi. Un serviteur d'Aedric avec moi. Je le rangerai après, hein. Il s'est vu qu'il sert déjà à rien. Pour 60, ça fait cher. Bon, j'ai récupéré une de ces flèches. Machin, j'ai une flèche à toi. Je suis derrière vous. D'accord, de quoi s'agit-il? Vous avez encore besoin de moi? Oui, j'ai besoin de toi. Je suis sur vos talons. Que voulez-vous?
Une de tes flèches. J'ai récupéré ça sur un cadavre. Tiens. Passez devant, je suis. Ah, là tu m'intéresses. Enfin d'autres flèches. Bon. Ça passe. Putain, mais il les évite. Mais il est trop intelligent, ce PNJ. C'est bon, j'ai mon arc. On peut y aller. Ah. Au revoir. Joli. Bon, bon, on lui rend pas sa flèche d'Aedra. Oh, quoique. Ouais, j'ai encore des flèches, donc ça va, je lui rendrai après. Je crois qu'il y en a plus. Attends, reviens, Sid. Merde, je voulais le faire voler. Sid, derrière toi. Sid. Je te rendrai tes flèches après, hein, t'inquiète pas. Bon, continue. C'est joli. Il fait le taf, cet arc. Là, c'est du mode Immersive Weapon, je crois. Où il y a beaucoup d'arcs qui ont été rajoutés dans ces arcs en bois, qui sont des vrais arcs en bois depuis le temps. Tellement plaisant. Les mecs, ils font des arcs métalliques, mais ça sert à rien. Tu fais un bon arc en bois, ça marche mieux. Oh, des champignons. Qu'est-ce que c'est ? Un crâne de troll, mais je m'en fous. Je veux bien décorer la baraque avec, mais. Je sais pas trop quoi en faire à part ça. Un cœur des champignons. On les goûtera tout à l'heure. Ils sont foutus des champignons. Des parchemins et des coffres partout, les mecs. Non, je ne l'aurai pas. Bon, c'est pas grave. J'arrive. Brûle. Brûle, saloperie. Non, reviens. Non, mais tu reviens. Merci. Ah, une gemme spirituelle. Tu me plais, machine. Tu me plais. Redescendre. Ah, un squelette. Un Ragnar. Un autre squelette. Et on va crocheter un coffre. Mais pourquoi ils ont mis une serrure ici? Sans déconner, les mecs. Ils avaient peur de se faire voler les trucs ici. Un coutelas de fer. Ouais, pourquoi pas. Et encore un niveau. Putain, ça monte vite. Non, monsieur, t'es pas obligé de descendre. Remonte. C'est bon, par là. Continuons. Putain, je te fais un bruit, moi. Je pourrais rien cambrioler du tout. Vas-y. Je laisse faire. Ah oui, merde, pardon. Oups. Mais t'es devant aussi.
Je suis désolé, Sid. Ça va? Ça a l'air d'aller. Tiens, je vais donner à bouffer. Je suis désolé, j'ai failli te tuer. Pas fait exprès. Tiens, il a encore 46 flèches. Ah bah ça, il a des élixirs de santé, donc tout va bien. Tiens, cadeau. Oh, on va te donner... On va te donner de la bouffe. Chaussons en pomme, je me le garde. C'est moi qui l'ai cuisiné, je me le garde. Tiens, du fromage. Tiens, je te donne du pain et du fromage. Fais-toi des toasts. Fais-toi des toasts. On n'est pas en plein milieu d'un donjon, c'est pas grave. Fais-toi quand même des toasts. Moi, je mangerai mon chausson tout à l'heure. Et en cas de besoin. Merde. Je suis un peu comme un bourrin aussi. Hop. Voilà, ça demande du doigté. 19 pièces d'or, mais fermez pas les serrures quand c'est comme ça, les mecs, sans déconner. Ah oui, ça c'était mon siège. Ouais, bon, continuons. Bon. Non, il n'y a rien à voler par ici. Ah, mais j'aime pas ces trucs. Ça ne me dit rien. Oui, le premier est juste là. Allez. Oui, c'est passé. Eh bien, viens voir papa. Bon, planté au mur, ça c'est fait. Bon, bah le problème est réglé. On va éviter de marcher dans l'huile, on ne sait jamais. De la farine, des flèches nordiques, du pognon. On va éteindre ça, on ne sait jamais qu'on soit obligé de repasser par là. Par contre, il n'y a plus rien, donc on peut se balader. D'autres tombes ont déjà été pillées, mais tout va bien. Lui, c'est fait. Lui, c'est celui que j'ai planté contre le mur. Lui, c'est celui que j'ai planté contre l'autre mur. Un grenat. C'est pas du catalan, donc c'est de la merde. Ah, je pourrais les exposer à la maison, trop bien. Non, ça va, je croyais qu'il y avait quelqu'un par là. Non, ça va, on peut continuer. Continuons. Pas des urnes à piller, non. Donc, voyons la griffe. Et on dit la griffe se voit au creux de la main, ou je sais pas quoi. Voyons voir la griffe, où qu'elle est. Griffe d'or. Creux de la main. Il y a quoi? Il y a un ours, un papillon, un hibou. On y va. Donc, un ours, un papillon, un hibou. Un ours, un papillon, un hibou. Allez, mets la griffe. Mets la griffe. C'est bon? Ça a l'air. Putain, cette porte, elle est quand même classe. Ça, accroché, ça doit être une merde. Ah, on est où, là? Je crois qu'il va y avoir des gens. Je sais pas, une intuition qu'il va y avoir des clampins. Des trucs à brûler, peut-être? Ouh, un joli hôtel. Je peux pas y aller fufu, c'est ça qui va me gonfler. Voyons voir. On va essayer de se battre au bâton. Regardez ça. Juste avant. Oui, si vous entendez des trucs derrière moi, c'est normal. Il y a toujours des loirs qui font chier.
Bon, mais il me reste plus qu'à ranger ça, reprendre l'arc. Et ben on va y aller. D'où il m'a vu ce con? Allez, c'est le bruit. Bon, ben tu vois le clampin là. Quand t'as pas d'arc et de flèche, tu mets ton bouclier. Pierre du dragon, cool, merci. Oh la hache de frisson. Alors, on va prendre des trucs parce que sinon j'ai rien. Hop, ouais. Faut que j'échange certaines choses avec vous. J'ai une flèche là. Putain, il fait peur de près. J'ai une flèche à toi. Tiens. Je vais rendre ces flèches, hein, je les utiliserai pas. Ça fait un peu trop de dégâts pour moi. Déjà que mon arc fait un peu de dégâts, mais. Allez, donne tout. Comme ça, j'aurai quand même un minimum de bordel à revendre. Bon, j'ai eu mon caillou. J'ai tout ce qu'il faut. Un truc à tirer. Oh. Putain, miracle de technologie. Trop bien. Non, mais je veux passer. Ah. Des trucs à piller. De l'or. Très bien. J'espère que mon cheval sera pas loin. Eh ben on a fini ce donjon à la con. Donc ça fait très bien. Je crois que maintenant qu'on a fini ce donjon, on va pouvoir se... Oh, on va pas se casser tout de suite en elsewhere. On ira d'abord... faire un tour à un endroit chaud. Enfin, on va faire d'abord un peu plus de pognon et après comme ça on pourra rentrer au pays. Il s'est téléporté le truc. Je sais pas où est barré mon cheval et je sais même. Ah ouais, ça doit être par là. Il doit y avoir le clos du dragon qui est juste en face. Qui est juste à côté. Je suis à la maison. Putain, c'est bien, c'est un donjon qui est juste à côté de la maison. C'est tellement rentable. Oh, je voudrais ramener une épée nordique pour décorer. Ouais, tant pis. C'est trop bien, je suis arrivé à la maison. J'ai même mes poules. Putain, faut... Ah merde. Merde. Bon, on va stock l'œuf. L'œuf de poule. Et stock-moi ça là. Voilà. Donc, on va juste. Mauvaise touche. On va aller. On va aller à Blanche Rive déjà. On a des trucs à vendre. Et après, on s'arrêtera là. À l'origine, je voulais faire des vidéos de 25-30 minutes. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Donc, je tournerai encore une vidéo de Skyrim. Là, je serai donc à 6 épisodes. Je n'ai pas encore vu. Si jamais il y a des commentaires, ça, je ne l'ai pas encore vu. Je vais essayer de préparer des quêtes, hein, des trucs à faire, bien sûr. C'était comme ça la dernière fois que je suis venu. Ouh, j'ai une baisse de FPS. Non, même pas. Ça a l'air d'être assez fluide. Je sais pas, quand je bouge la tête, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de FPS.
Après, j'ai un peu redécoré Blanche-Rive dans l'idée. Hein? Quoi, je suis malade? Choper une merde là-dedans? Compétence d'armes dégradées. Merde. Attendez, je vais prier, je reviens. On va les prier vite fait et après ça ira. Des ennuis? Non, je préfère un cagite. Je préfère avoir une gosse de mon espèce en premier. Hop là. Voilà. Et merde. On va y arriver. Tant qu'on y est, récolter du bordel. Tiens, le mission temps. Non, reviens. Reviens. Monsieur. Tiens. Oh, merci. Puisse les divins vous bénir. Voilà. On a fait notre bonne action de la journée. Tout va bien. Quoi? Pourquoi tout va bien? Quoi? Si vous attirez des problèmes à Blanche-Rive, je vous enfermerai moi-même dans le donjon de Fort Dragon. Vous êtes marié? Ça ne m'étonnerait pas. Pensez bien à traiter votre femme avec ce qu'elle mérite. Attends, vas-y, vas-y, passe. Essayez le chaudron d'Arcadia. Oh, mais merde. Allez, rattrape-le. Ah, je peux pas courir, je suis dans la merde. Au secours. Venez voir mon grand choix de viande de qualité. Bon. Ça va être compliqué de piller des trucs. Non, toi, j'aime pas ta tête. Je te parlerai pas. Oh. Je peux prendre ton bocal à Luciole? Des tapis, tu vends des tapis? Ah mais oui, mais il a bien été pillé par la guilde des voleurs, j'avais raison. Ça, c'est un des signes de la guilde des voleurs pour être un marchand, quoi, ou je sais pas quoi. Mais il y a un rapport avec la guilde des voleurs, ça j'en suis certain. Bon, ben... Déjà, je vais te vendre du bordel. Des babioles, des petites choses. Moi, je vais te vendre du bordel, surtout. Donc, un arc long, j'en ai rien à péter. Le bâton, il faudra que je l'améliore. Coutelas de fer, j'en ai déjà. Je crois, oui, j'en ai déjà. Flèche nordique, on va les garder. L'âge d'orc. Ouais, je peux la vendre, je l'utiliserai pas. Le pic de guerre nordique, il dégage. Les sabres, on les garde. Les épées d'acier, les épées d'acier. Celle-là, on la désenchante. La muette. Excusez-moi. Ah, ça va bien. L'anneau d'argent, on va se le garder. Ça, on le dégage. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. 1, 2, 3. Ça, ça dégage. Le casque en peau, il dégage. Ensuite, voilà, la bouffe, on la garde. Les ingrédients, on aura un peu de... Quelques trucs à faire. Sinon, t'as quoi à vendre? Maintenant que je t'ai vendu mon bordel, t'as quoi à vendre? D'intéressant. Oui, non, ça, c'est moi qui l'ai vendu. Donc, dans l'idée, je vais pas te la racheter. Faut quand même pas déconner. Conjuration mini, non, je m'en fous. Humble écuyer, ah non. Résistance au feu. Les arcs infligent 20% de dégâts supplémentaires, mais elle est chère. Bon. Revenez donc. Je peux dire? Saveurs incongrues. Félicitations, en ouvrant ce livre, vous avez fait le premier pas d'un voyage épique, une aventure qui vous mènera sur les nombreux chemins de la nourriture des Bretons et de ses infinités de merveilles et de délices. Vous explorerez les saveurs, les... Ah, attendez, on va se rassembler déjà. Vous explorerez des saveurs, des senteurs, des textures si exquises qu'elles vous sembleront irréelles, mais croyez-moi, elles existent bel et bien. En respectant scrupuleusement les recettes soigneusement rassemblées dans ce livre, vous préparerez des plats hors du commun avec une telle facilité que l'on vous accusera de sorcellerie. Mais la seule magie qui est à l'œuvre ici, c'est celle de votre cœur, de la passion que vous mettez dans les mets délicieux et, suspense, renversant que vous concocterez sans difficulté et que vous savourerez éternellement. Commencez par cela et un jour vous serez vous aussi un gourmet. Le soufflet du levain, donc ingrédients 2 onces et...
demi de fromage de lait de vache, une once de beurre, une once de farine, 9 onces de lait, une pincée de sel, une pincée de poivre, un bol de muscade râpée. Souffler du levain. Ah oui, oui, c'est un gâteau soufflé, quoi, tout simplement. Avivez la flamme de votre four jusqu'à atteindre une chaleur modérée. Râpez votre fromage en fins copeaux en passant une dague elfique bien aiguisée au-dessus. Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes, puis battez vigoureusement les blancs jusqu'à ce qu'ils épaississent. La préparation de l'unique et l'authentique sauce du levain pour commencer, faites fondre le beurre et ajoutez progressivement la farine jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Placez la mixture sur le feu, sur un feu plus doux et commencez à incorporer doucement le lait. Ne vous arrêtez pas de mélanger, c'est essentiel pour la réussite du plat. Continuez ainsi pendant 10 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien épais. Ce n'est qu'à ce moment précis que la sauce du levain est prête et pas avant. Ajoutez le sel, le poivre et la muscade, puis retirez du feu. Donc en gros, c'est une béchamel dans l'idée. Ça, c'est une béchamel, ouais, c'est beurre farine, quoi. Ajoutez le fromage râpé et les jaunes. Mélangez bien jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis ajoutez les blancs avec une cuillère en bois de noyer. Versez doucement le tout dans 4 plats à souffler en pierre en les remplissant presque. Mais pas tout à fait jusqu'au bord. Sinon ça déborde dans l'idée, vaut mieux pas les remplir jusqu'au bord. Enfournez les plats dans votre four à chaleur modérée et fermez la porte. Laissez cuire pendant 25 minutes, sans quoi vos soleils levants retomberont vite pour sombrer dans les abysses de votre four. Mais non, c'était pas une béchamel. Et retirez après 25 minutes et servez immédiatement. Vous pouvez maintenant contempler la magnificence du soleil à son lever et goûter la saveur exquise du soufflé du levain. Bon, je vous laisse la recette du potage. Voilà, la recette du potage, c'est fait. T'es cool, c'est cool. Ah, ça me plaît, là, ton truc. Biographie de la reine. Celui-là, je vais le passer, mais je le lirai au montage. Mettez sur pause, hein, comme d'habitude. Merci mon bon Bellator, c'était sympa. Eh ben, ouf, putain, 42 minutes, faut que j'arrête de lire, moi. Bon, ben, on est bien. On va... Ouais, car on peut attendre encore 5 minutes. On n'est pas encore parfait. De la lavande. Des fleurs. Masse-fleur. Je suis bordel. Ça tournait, ce coin, il m'a vu. J'ai un peu marché sur les pieds aussi. Bon, on va juste parler au connard. On va piller Fort Dragon et ce sera bon. Malheureusement, j'ai pas encore de revendeur, donc faudra que je fasse la guilde des voleurs parce que je vais commencer à accumuler un tas de bordel. Ouais, je suis un Khajiit, je suis un peu kleptomane sur les bords. Oh, ils sont tous là! La terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. J'ai l'intime conviction qu'il s'agit. Sauvegarde rapide. Donne l'anneau. Texte bien plus ancien. Donne le grenat. Il doit dater de la guerre. Donne le saumon. Le poignant, pas le saumon. J'ai essayé de lui piquer du poignant, ça marchait. Voilà. Donc, on va s'en débarrasser. Crochetage, on va le garder. Ça, on va s'en débarrasser. Donc, on améliorera tout ça par la suite. Toi, est-ce que je peux te... Ouais, c'est bon. Salut Delphine. Bon, anneau de magie minime, donne. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Donne. Merde. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre de mes trouvailles. Vous avez de la vision. Ça devrait aussi intéresser vos employeurs.
Ah oui, la nouvelle coqueluche du Jarl. De retour du thème. Ouais, non, je suis un peu en train de fouiller dans leur poche, moi, pendant ce temps. Il y a quoi d'utile dans ces poches? Putain, de l'améthyste, j'arrive pas à la voler. Ah. J'ai réussi. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait dans leur poche pour l'instant. Et ma récompense, ça boule le pognon, même si je te l'ai déjà pris. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Ouais. Ah oui, merde, j'ai oublié d'activer les sous-titres. Non, c'est dans la jouabilité. Je sais plus où c'est, bon, c'est pas grave. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bon. Oh, attends. Envoyez-moi un exemplaire. Par hangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Un dragon? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu? Oui, moi je suis en train de piller tout le château. J'avais prévenu. Allez, donne. On le rangera à la boutique. Oui, on lui pille sa bibliothèque, et alors? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je crois que j'ai pris un bouquin qui m'a déclenché une 4. Ouais, je pille tout, et alors? Ouais, il y a un dragon qui attaque, mais je m'en fous, moi. Merde. Putain, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, bordel. Est-ce que j'ai des trucs à enchanter / désenchanter? Inférieure, insignifiante. Ah, ordinaire. Donc je peux enchanter un truc. On va enchanter ça déjà. Ah merde, je peux pas, j'ai rien. Dommage. Ah, on peut enchanter mon deuxième sabre. Ah non, faudrait que j'améliore. Oh si, on s'en fout. Capture d'âme. Tu me mets à une seconde. Et tu me mets dessus une gemme ordinaire. Voilà, merci. Il est où le Jarl machin? Je voulais faire des poches. Ah, merde. Donne le pognon d'abord. Vous avez survécu à Helgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que... Oui, on peut dire ça. Je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de... Je suis Helgen, j'ai pas survécu. À Venici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Ouais. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Cool, merci. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la... Ouh, elle est belle. Oh, dommage. Plus un niveau. Mets de la vigueur. Mets de la santé.
Voilà la tire. C'est où? Non, ça je m'en fous. Voilà, donne. Ah, 19% de chance. Bon, c'est un. Ça va être chaud, mais on va y arriver. Putain, les mecs, ils y vont fort. Yes, je l'ai eu, tâche. Ce n'est pas une. Toi, t'as quoi dans les poches? Ouh, il me plaît. Putain, l'arc elfique faucon. Attends, bouge pas. Bouge pas, je me mets derrière. 3%. Non, je l'aurai pas. Donne juste le pognon. Toi, t'as quoi dans les poches? Ah oui, non, j'étais un peu vidé les poches tout à l'heure. Quoi? Je vous retrouverai la tour. Faites attention. Vous êtes en 51 minutes. Je crois qu'on va s'arrêter. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. Je crois que je vais rejoindre la garde de l'aube parce que vampire, j'ai pas envie de le devenir. Refait le stock de la cuisine. C'est un château, ils ont de quoi faire. Ensuite. De la viande. Du frometon, des carottes. Des patates. Des poireaux. Du vin. On refait les stocks. Du poisson, on va cuisiner un peu et après on se quittera là. Est-ce qu'il y a de la bouffe encore? Ah mais oui, il va y avoir de la bouffe par ici. Il va falloir passer une œuf de pognon. Du pognon. Ça je m'en fous. Des sacs. Des tomates, cool. Pichet, je m'en fous. Des pommes de terre, cool. De la lavande. D'ailleurs, je pourrais faire des confiseries à la lavande, mais bon. Ça, on les dira plus tard. Je vous prends des livres pour nous faire une session de lecture un de ces jours. Donc, tu vas m'utiliser des broches. On va faire une soupe de légumes. Ah ouais, on va faire plein de soupe de légumes. Je peux rien faire d'autre. Ah non, t'es sérieux. Ah, j'ai pas de sel. On va racheter du sel. On ira racheter du sel au prochain épisode. Il manquait du sel quelque part. Putain, les mecs, ils ont pas de sel. C'est quoi cette cuisine? Faut du sel dans la cuisine. Mais il faut du sel dans les cuisines, les mecs, sans déconner. Ah, allez. Bon, mais on va se quitter là, nous. Ça y est, on est bien. Ça n'a pas de sens de rester ici à rien faire. Nous devrions déplacer le combat chez les ombrages. Donc, ben les gens, je vous dis des bisous, comme d'habitude, et abonnez-vous surtout.